Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, bon dimanche à vous. Bon, bah écoutez, vous, votre dimanche est bien entamé, mais moi, il compte tout juste, donc bon goûter si vous êtes au goûter, et puis on va commencer. Écoutez, moi, je suis pas levé depuis longtemps, excusez-moi pour le retard, mais on va pouvoir se faire un peu ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que on va être ensemble pour deux petites heures ensemble. Ce que je voulais faire, c'est continuer ce qu'on avait commencé hier, c'est-à-dire continuer à découvrir les ROM 7 Recalbox pour l'arcade majoritairement, puis par la suite rebasculer, comme la musique l'indique, sur du Sonic, oui, sur du Zelda, rebasculer sur du Zelda vu que le set Sonic est terminé. Le prochain Lego que aura, ça aura pas du Lego exactement, ce sera l'upgrade LED du Lego The Office. Et donc on va continuer, donc on reprendra Zelda un peu après. Donc on va sans plus attendre switcher sur la scène. On va mettre à débrancher. Sur la musique de Funky Kong, j'irai me faire un petit brin de café juste après, par le plein. Oui, on va hop, rafraîchir. Voilà, on n'est pas trop mal. Un jeu disponible dans les ports. J'ai pas regardé ce qu'il y avait. Ok, on a quelques ports là. Je me suis mis quelques jeux sur ma play. Mais ce que je voulais voir surtout, j'ai oublié que j'avais changé d'angle de caméra. Ce que je voulais voir surtout, c'était sur les 7 arcades. C'est mon petit péché mignon, mais je suis assez friand de tout ce qui est série EX, Street Fighter EX, EX plus Alpha, etc. Donc je voulais voir si cela était disponible. Voilà. Je crois que je les supprime, ces trucs là. Attends, est-ce que je peux... Retour. Je peux le supprimer. Pour les virer directement les systèmes, on s'en fout un peu. Commodore, si j'aime bien le Commodore 64, mais tout ce qui est Atari, je pense qu'on s'en cague un peu de les faire ensemble. C'est pas des consoles. J'aime pareil, je sais si je peux cacher les trucs système là. Alors on va remonter un peu. Je vais voir si les Street Fighter y étaient. Il devrait tourner. S'il fait tourner les jeux Dreamcast. Alors. Alors, Street Fighter The Movie 03 03 00, Third Strike, ok. Ok, s'ils sont là, ils sont peut-être sur le ROM 7 de MAME. Alors, on va monter gentiment comme ça. Ah, là, ROM 7 de même n'a pas été complètement rippé, il faudrait que je regarde ça. Ah, il y a eu Tekken. Je crois que je le ferai cet après-midi. Je pensais pourtant que j'avais... Il n'a pas récupéré les images.
Et Tekken 3. On va essayer, on va lancer. Pas la musique. Ouais. Est-ce que je se lance? Ouais, First Power. Ok, Tekken, t'as l'air de se lancer. C'est cool ça, pour se faire du Tekken. On a vu que j'ai réglé légèrement l'arrêt de ce truc. Apprendre, il a pas de son. Semblerait qu'il ait pas de son. À moins que ce soit ma carte d'acquisition qui déconne, attends. Salut Zomati, comment ça va? Alors, on va voir si c'est ma carte son qui déconne. On va lancer un jeu à la con. Est-ce que c'est Tekken qui marche pas ou... Écoute, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Ok, c'est Tekken qui déconne. Bon, Tekken tourne, mais y a pas de son. C'est pas très grave. Alors, on va retourner chez MAME. Là, on fait un peu de rétro. Enfin, un peu de rétro aujourd'hui, avant de faire un peu de... avant de faire du Zelda. Et on va préparer la borne d'arcade, on va préparer un peu ce qu'on va mettre sur la borne d'arcade qui est derrière pour cet hiver. Au mois d'octobre, je devrais recevoir donc la nouvelle carte de Recalbox que je pourrai directement faire transférer tout ce que tu vois ici, je pourrai le transférer directement sur ma borne. D'ailleurs, tu me parlais la dernière fois de faire les différents Zelda, les différents anciens Zelda. Tu les fais... Ah si, ça fonctionne. Oh! Salut Calandris, comme tu vas? Merci pour le raid. Coucou. Alors, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son sur Tekken. Le jeu tourne pas trop mal. On va voir, attends, on va lancer. Attends, on va foutre la musique en attendant. Enfin, une musique complètement adaptée pour Tekken. Ouh, par contre, ça rame. Ok, non, il tourne pas bien Tekken. Ouh, il ramouille. Ok, bon, on va repasser sur le menu. Tekken, c'est passé, on verra ça plus tard. Comment ça va, Calandris? Comment ça s'est passé? T'as déjà arrêté Zelda? Bon, tu me diras, ça fait déjà 2 heures que t'es dessus, non? Alors. Salut! Alors, je suis désolé pour mon interface même, il semblerait que mon scrap n'ait pas bien fonctionné. Eh, ça faisait 2 heures. Tu as fait quoi de beau? Désolé, je dormais. Je suis désolé. Oh, c'est mignon! Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va d'abord un peu flirter. Il y a les XC, si je pense que ça c'est... On va voir s'ils tournent bien ceux-là, parce que je suis assez fan des XC. 2-3 racines, ok, sanctuaire. Buzz. Il semblerait que mon scrap n'ait pas fonctionné pour moi. Bon, ce n'est pas très grave en soi, mais je voulais tester quelques jeux et flirter un peu au hasard et tester un peu des ovnis. Ouh, le XC n'a pas l'air de vouloir se lancer. Très vert tout ça. Si vous voulez incruster quelque chose, là c'est le moment. Non, XE veut pas se lancer, semblerait. Est-ce que XE, celui-là veut bien se lancer? Je n'ai pas fait tous les donjons. Oui, il faudrait, ouais, il faudrait, je...
Mais je pense que je le prendrai à la sortie du Java. Ah, je suis déçu, les XA veulent pas se lancer. T'arrives à faire tourner. Les mecs arrivent à faire tourner les jeux Dreamcast, mais les jeux PS1. Ouf. Non, ça veut pas. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ben alors? Quelle box déconne? Alors, des sanctuaires ou Attends, on va essayer de... On va démarrer la Recalbox. On va l'éteindre, on va la démarrer. Ça vient de la Recalbox ou est-ce que ça vient de la carte, ma carte d'acquis qui déconne? Je suis à 74 sanctuaires moi. Et j'ai juste fait les auras depuis la dernière fois. On va voir comment ça se passe là. C'est redémarré gentiment. Recalbox qui envoie un système un peu fucké. Ça a l'air de redémarrer. Bon, ça a l'air de redémarrer, il n'y a pas l'air d'avoir de glitch, mais on va peut-être repasser sur du Zelda après selon les. Selon la réaction de la Recalbox. Peut-être qu'il n'aime pas trop les différents signaux que lui envoie la Recalbox. Comme d'habitude, voilà. Bon, on va passer sur du plus standard. En tout cas, là, on a bien fonctionné au niveau du scrap. On a du shoot en veux-tu, en voilà. Ouh, 1945K. Regarde un peu ce que ça donne, ça. Bon, ça c'est vraiment pour les écrans tâtés, mais bon, c'est pas très grave. Oh, je crois qu'il aime pas trop le signal que lui envoie la Recalbox. Bon, on va essayer de voir si on va basculer sur la Switch, voir si ça déconne pareil. On va laisser reposer la Recalbox, hein. C'est dommage. Il faut changer d'alter. Ok, c'est quoi ton jeu? Bon, on va peut-être laisser de côté.
Ok, bah c'est le boîtier qui déconne. Ah, c'est sur Roblox. C'est parfait ça, c'est le boîtier qui déconne. Mais quoi, ça fait un mois que je l'ai acheté. Bah je viens de changer de HDMI. Je viens de changer d'HDMI vu que j'ai changé de support. Ils ont pâté la Recalbox à un HDMI mini, donc c'est pas le même câble HDMI. Bah ça a l'air de pas trop déconner, on va pas trop toucher. Peut-être que c'est le switch de résolution qui le fait un peu déconner. J'ai juste me faire un plein de café, j'arrive dans un instant. Lifting Simulator, d'accord. Ça va partir en direction Amazon. Hein. Ça fait quoi? Ça fait un mois que je l'ai. Je suis garanti. Bon. On est reparti sur du Zelda. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? On était là. Ah, j'ai trouvé la. J'ai trouvé une coupe, j'ai trouvé un petit truc là, une grotte. On va se faire quelques sanctuaires ou des trésors. Qu'est-ce que. Toutes les quêtes. Oh, c'est pas mal ça. Ça continue en effet. Et tu vois, au niveau de. Au niveau des souterrains. Ah. Est-ce que vous l'avez vu lui? Est-ce que vous êtes allé là? Je me suis mis une amulette de téléportation. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Oui, j'ai débloqué le casque. Le casque Sonao. Des piafs. Par hasard. Je cherchais un sanctuaire et. Je suis tiens, je vais aller vers cette racine. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Alors je vais voir si je peux. Genre l'esquiver et aller rapidement à la racine pour. Ouais. Au moins aller à la racine. Pour faire avoir un peu de lumière. Genre fous-moi la paix toi. Je trace, je t'évite, je vais juste à la racine, je m'en fous de ta vie. Le tue pas? Pourquoi le tue pas? Ok. Je voulais juste faire ça, moi. Coucou. Je veux au moins ouvrir la racine. Pour avoir de la lumière. Salut Jean-Michel. Ah, pourquoi je tue pas? Pardon, excuse-moi, je... Pourquoi je le tue pas? Bah, je sais pas, parce que pour l'instant j'y voyais rien, donc je lui avais foutu la paix. J'y voyais rien, donc on peut se le faire.
Et on va se le faire à la technique qui va bien du coup. Non, pas comme ça, j'ai dit. Ok. Il va disparaître, il va vouloir réapparaître à côté de moi. Ok. J'aurai une grosse récompense, d'accord. Alors. Disparaître. On a loupé, dommage. Parce qu'il a peur, oui, parce que j'ai peur, ça c'est... Ah. C'est une bonne solution. Oui, c'est vrai que je peux aussi Ah, ah, pas ça que je voulais faire. Oula. Ah. Ok, deuxième transformation. Ou juste parce que ce que je fais, là c'était la bonne occasion, c'était de gagner 5 minutes. Il est pas content. Oh putain. Ok. Alors. Alors, et non. Ah ok. Merde. Et de deux. Ok. Avec une chauve-souris, c'est bon. Pas besoin. Semblerait que pas besoin. Je peux l'amalgamer avec un truc, ça. Est-ce que j'ai... Ah merde, j'ai mon épée qui est déjà amalgamé avec quelque chose. Ah.
Ah, déjà, j'ai trouvé l'épée du prélude. Ouais, c'est une arme forte en effet. Et qu'est-ce que je débloque? Oh, un gros cristal. Attends, j'ai pas changé mon... J'ai pas changé mon intitulé. Alors. Ok. Ok. Et j'ai pas fait ça sur Kick non plus. Bon, Kick, personne s'en fout. Alors. Ouais, bon, là j'avais pas grand chose de dispo donc on va récupérer quelques âmes là qui traînent. Ok. Quel est ce... Ok, c'était juste un bug d'affichage, c'était bizarre. On a dit que le miasme bougeait. Ah oui, c'est fort, ouais. 36, c'est pas dégueu. Bah écoute, c'est pas grave. Ok. Alors, on est là. On est là. J'avais une racine là, donc là je dois avoir un sanctuaire. Et donc je vais virer ma balise de téléportation. C'est ça que je vais faire. Comment je l'enlève ? Ramasser. Oui, je ramasse. Et là, je fais. Je peux l'enlever. Ah oui, c'est excédé. Ah, c'était mon dernier emplacement, pardon. Je... comment je sais qu'une racine. Bah, je crois que c'est Kelmandris qui me l'a dit. Donc là, je vais pouvoir me téléporter. Où est-ce que je vais me téléporter? Dans ce fait-là. Et j'ai pu le voir par A plus B. Parce qu'en général, quand je me servais de l'un pour trouver l'autre. C'est pas grave, on n'a pas froid. J'ai toujours pas fait le labyrinthe. Hein. On est au bord de la map. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Je vais tout à fait dans la bonne direction. Ok, là je sais pas si y a un truc. Archipel céleste. Ouais mais, attends, c'est pas ça que je vais voir. C'est chez les pierres ça, non? Mais qu'est-ce que c'est que je vois là? Je vois plus rien. C'est génial, je vois un truc là, genre un reflet.
que je ne vois pas quand je mets la caméra. Peut-être un bug d'affichage, je sais pas. C'est exactement ça, c'est un bug d'affichage. J'aille par là. Ouais, ok. Plus au nord. Ouh, Alinel. Bonjour. Non, non. Non, non, tu m'as pas vu, en fait. J'ai rien fait. Je cueille des framboises. Et salut petit sanctuaire. Et en effet, tu vois, regarde. Hop. Il y a un sanctuaire. C'est bien, ça peut en fait le sous-sol vraiment, peut vraiment t'aider à trouver les sanctuaires que t'arrives pas à trouver normalement en surface. Donc si tu te fais toutes les racines, techniquement, t'es capable de trouver les sanctuaires. Alors, si tu fais le vent de Babylone et que tu enlèves et que tu remets ta parabole, tu accumules la vitesse. Ok. Je testerai ça. En avant, en arrière. Merci. Bah écoutez, c'est assez gentil pour l'arc. Ok, alors ce que je peux faire c'est... Toi je te fous là, je te pousse un peu. Et que je fais ça. Pas pour l'instant. Non, ouais, pas besoin d'aide. Tout bien. Ok, c'est en deux parties. Je peux faire. Oh, si je peux le choper au vol. Non. Est-ce que je vais pouvoir la choper au vol? Non.
Yes. Ah, et un petit retard, ouais. Ouais, mais je l'ai pas partout le retard, donc t'en fais pas. C'est normal, il y a toujours un petit recalage entre les deux. Ok. Ouais. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, il y a du vide. Attends, je réfléchis 2 secondes. Je réfléchis 2 secondes, voir si j'arrive à trouver la solution par moi-même. Ça y est. Je vais voir si j'arrive à comprendre le truc. Peut-être un truc à faire avec ça. Ah, attends. Juste elle. Voilà, retour en arrière. Non! Voilà. Il y en a encore un peu là-dedans. Je suis vieux mais pas encore décrépit. Même pas un petit coffre? Oh, bande de radins. Mais GG à moi. Ouais, j'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai réussi. Alors, ce qu'on va faire ensuite. C'est cool, ça te permet d'aller voir sur des parties de la map que tu n'as pas visitées encore. Hop. Ah bah ça c'est cool ça. Ça peut servir. Ok. Fais le Santaléo. C'est quoi le Santaléo? C'est le génie là? Oui. Hop. Attends, j'ai une épée de feu en plus, je crois. Et une baguette de rubis. Ah. Ah.
Ah le... Comment dire? Le centaure, ouais. Le Lionel. Ah, de la viande. Ah, on va essayer. Ah, je suis à combien de cœur? Je suis full cœur. Ça perd le Lionel. Devait être par là, je pense. Alors, hop. Wow. Ah ouais. Ouais, je l'ai easy, ouais. Ok, mais il faudrait que j'arrive à lui monter dessus. Ok. Non. Je suis un peu bas niveau bouffe, alors je chasse à manger moi. Ok. Alors franchement, Izzy, il est même penché sur moi pour faire un bisou. Ouais, c'est sur l'enfer, mais... C'est sac à PV. Non, je suis pas bon en esquive.
petit coffre. On va essayer, on va essayer. Qu'est-ce que tu voulais, toi? Ah bah il est là. Ok, attends, le mec il te bouffe. Attends. Putain mais... Bon ben voilà. Nul. Tellement nul. Allez, c'est une dernière fois et puis après on va avancer. On est juste là, de toute façon. Pas de super bons arcs n'empêche. Alors si je peux lui sauter dessus, lui monter dessus en passant par derrière. Ah, il m'a vu. On va essayer de l'avoir tout à l'esquive. Oh là. C'est pas ça que je vais faire. Ah mais sinon il veut pas venir là.
Merde. Alors. Bah j'essaye. Ok. Ok. Merde. Sur une flèche dans sa tête. Quand... Ok, on va essayer. Merde. Ok, attends, une armure la plus forte. Est-ce que je vais pas trop avoir froid si je prends ça? Merde. Si froid. Ah, je l'ai buté. Ouh, je l'ai buté. Merci. Alors. Premier Linel de toute l'histoire. Je suis content. Ok. Ouf, il est chaud. Il est chaud, j'ai eu soif. Alors, on disait donc. Là, j'ai un trésor à récupérer. Ok. Ok.
Qu'est-ce qu'on fait? Si on allait récupérer la technique secrète des Yiga qui se trouve là. Attends, non. La technique secrète des Yiga, elle se trouve vers là, je crois. Je crois que j'étais passé devant. Il y avait un truc sous une au niveau de la cascade. Non, c'est pas là? C'est pas au niveau de la rivière là-haut là? Je crève de chaud. Alors, tenue légère. Ça, pas du tout. C'est pas là, c'est pour venir regarder, ok. C'est où? C'est au niveau du repère des IA sinon? Alors attends. On va aller par là déjà. C'était par là de mémoire. Je suis la rivière. Oui, quoi? Genre j'ai fait peut-être remonter la cascade. Je vais repérer des IA. Ok, on va repérer des IA. Je vais repérer des IA, ok. Hop. La technique que tu m'as dit. Ah ouais. On aura pas des dégâts déjà. On va s'habiller en conséquence. J'ai l'impression d'être habillé comme Deadpool en fait. Et comment on rentre? Je peux pas rentrer? Comment ça se passe? Je ne peux pas rentrer. Ah, je suis à l'entrée, je suis à la sortie. Ah, mais elle est où l'entrée? Attends.
Ouais, va la tour à côté, ok. Je suis en train de regarder tout sur le net. Ok, téléporter là. Et on va faire une petite pause pipi après. Ok, j'imagine que c'est ce trou-là. Ok. Kidoki. Okay. Oh là là, juste comme un pied, moi. Ok. Alors ok. Ah ouais. On va essayer, hein. Bon, on va tester. C'est pour ça que j'arrive pas à y entrer. On m'a dit qu'ici je pourrais apprendre une technique trop cool, le choc tellurique. Regarde ça, j'y suis, seuls les membres du clan Giga peuvent entrer. Ok. Mais c'est juste pour ça que je suis là, je veux apprendre une technique trop cool que tout le monde m'admire. Nous sommes une organisation secrète, un groupe d'agents au service du gang Koga, au grand Koga, pardon. Peu importe ce que tu fais avant, pour rejoindre nos gangs, il faut être loyal, capable de s'infiltrer et de te battre. Visite nos trois camps pour obtenir la tenue Giga. Et si tu arrives, tu seras l'un des nôtres et tu pourras entrer. Je l'ai! On a plus d'informations. Où sont ces trois camps? Je l'ai! Eh oui, je suis un membre du gang Giga. Il a un look, lui. Eh oui, bah, il y en a qui ont des rêves, hein. Ok, rentre. Alors,
Pas qu'un de vous, c'est toi, surprenant que t'aies déjà fait le tour des trois organisations en si peu de temps. Bravo, bon travail, j'attends de voir la suite. Ok. Qui lui vend des armes. Nya, 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 je supporte plus la vue de ses pointes. Et toi, t'as jamais dit que c'était mal poli. Je veux des pointes. Non, tu lui grattes. Ok, là ça vend des flèches. Je suis full en flèche. Ouais, j'en ai des flèches, j'en ai 200. En réparation. C'est vraiment des poules le truc. Alors. Oh, vas-y, 900 rubis. Ah oui, en effet, c'est des prix délirants, ouais. Ah bah c'est des escrocs. Hein. Et ah, il y a un bouquin là. Banane. Alors à ma droite, ok. Je peux pas descendre par là? T'as eu la paravoile? Ah bah c'est cool ça! Ouais c'est ça les amiibo, tu files des paravoles aussi. J'en ai eu deux ou trois grâce aux cartes amiibo. Ça va être par là. On va faire une petite infiltration comme ça là. Et on va parler à Jean-Michel Giga, juste là. Oh, masque anti-tonnerre. On va essayer. Ah
Hop. Voilà. Merde. Ah non ! Oh oui, ils s'en foutent. Je balle. On va essayer. Ouais. Allez, sans rubis, ça va. Est-ce que j'ai pas une épée un peu... Eda. Oula, m'a fait mal lui. Alors ensuite. Ah non, merde. Alors. Ouais, c'est ça, mais bon, je vais la refaire. Bon, c'est déjà pas mal. On va y arriver. Ouais, c'est un rubis. Je suis un peu super léger en bouffe. Faut vraiment que j'aille cuisiner. Et là. Ici. J'étais pas loin. Attends. Ok. Ah j'ai gagné.
J'ai réussi. Alors par contre pour apprendre la technique, c'est par où? Ah, y a madame le chat qui passe. Et en fait, le chat. Voilà, le chat qui passe. Bon, le chat. Alors... On récupère un peu les flèches, hein. Vous avez laissé des flèches partout, c'est le bordel, les gars. On a le plaisir de ranger votre chambre. Ok. Ok, tu m'as reconnu. Belle réserve de bananes. Tu visites le chat? Peut-être parler à lui. Oui, bonjour le chat. Arrête de pousser le micro. Tu pousses le micro. Alors c'est pour la technique. Bonjour, je viens pour la technique, s'il vous plaît. Je l'ai eu. Ah si, je l'ai. Ok, j'ai eu. Et comment je l'ai fait la technique? Ok, il faut que j'ai aucune arme. Ok. Ok. Trop cool. Ok. Alors, ça c'est fait. Genre 10 de dégâts, ok. Qu'est-ce qu'on va aller se faire? J'aimerais bien essayer d'aller choper. J'aimerais bien aller choper cette île-là. Qui est un peu loin de tout. J'ai une île là à choper, j'ai une île là à choper. On va se téléporter là. Non, pas pour l'instant les griocs. Ils me font encore peur les griocs. Encore très peur. Alors. Oh. Je l'ai pas fouillé. Alors...
C'est vrai que c'est moins fort que les Lénelles? Ok, mais pour l'instant, je suis pas pressé. Je me jaillis là, et de là, j'essaie d'aller en... Ah, il y a une lune de sang qui se prépare. Ouais, vas-y, lance-toi, le chat veut ressortir. Oh lune, couleur du sang. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre. Ok. On va se faire un... Je vais dans la bonne direction. Je ne vais pas dans la bonne direction. Ah mais attends, je peux utiliser la fontaine là pour prendre de la... Je peux prendre de là, si je prends la tenue Zora, je peux gagner en hauteur. Alors, comme ça? Comme ça? On va prendre la tenue Zora. Eh ouais, je l'ai mal fait. Alors. Merci pour la fée. Récupérer quelques fées, ça peut toujours servir. Ça c'est toujours. Ah ben il y a un coffre. Une graine lumos ça. Alors c'est un carreau silencieux. Une vieille carte. Bon c'est bon à prendre. Hein. Ah ben tu vois il y a un trésor que j'ai pas vu. Alors, de l'autre côté, on va se rapprocher tout droit, on récupère encore une fée et une fleur là, de sérénité qu'on va prendre. Petite fée, viens par là, tu peux me dépanner, merci. J'ai raté la photo? Bah non. Elle est où là? Ah la garce elle est plus haute, ok. On va faire... Ok, on va faire...
Ah, elle est pas encyclopédique. Oh, bon, écoute, c'est pas grave. En effet, j'ai pas pris l'encyclopédie, j'ai pris juste l'appareil photo. Là, on devrait être. Ok, ça c'est pris en photo. Donc ça là c'est fait. Maintenant il faudrait que je prenne. Elle est où l'autre? Elle est là. Mais ça elle est vraiment loin de tout quoi. C'est moins loin là? Ou là? C'est... Pareil. Je vais prendre un truc qui va m'envoyer bien loin, puis ça va permettre de gagner un peu de distance. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. Là-dessus... Merci, je regarde après. Lui l'a réparé, je l'ai buté la dernière fois, je vais pas m'embêter à le rebuter, encore une fois. Un truc qui était cool. Les favoris. Non. Ah. C'est quoi ça, canon aérien propulsion? Ah, ok, alors sa armure. J'ai déjà battu lui. Oula. Attends, hop, on va prendre des pieds de légende.
Ah merde. Oups. Bon, je suis tombé. Bon, faut que j'aille faire. Attends, faudrait que je retourne au truc là pour prendre un engin volant. Attends, je vais pas m'emmerder, je vais faire l'engin volant d'ici. C'est dans cette direction là. Ouais. Donc attends, on va faire comme ça. On prend l'historique. Alors, attends, je regarde après. Ça sera mieux. Voir si je peux. On va voir si je peux. Je vais la bonne direction là. Pas mal. Si je vais comme ça. Ouais, c'est bon. On va y arriver. Pas besoin de YouTube. Je suis plus fort que YouTube. Au plus d'un. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur, Jean-Michel. Ah. Et bon, on y arrive. Pourquoi? Non, regarde, ça marche, ça fonctionne. Hop. Allez, on va aller au village Cocorico.
Et c'est ça, c'est une flèche. Village Cocorico. Ouais, on va se téléporter, on va pas s'emmerder. Manzora. Oh, c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave. C'est fait pour être utilisé. Et ça. Alors, il est là. Il en reste encore 5, j'en ai trouvé 2, il m'en reste 3. Alors, regarde ça. Ok. Un soir où Laura rentrait tard. Le pouvoir de lumière parvient à conjurer le danger. Tu herbes ça le mal. Carte capitale, tu as merci. Oh, 100 rubis. Bon, ça me rembourse le truc des Yigas. Oh. Ah, attends, je regarde la vidéo. Allez. Ah, attends, allez, où ta vidéo? Ok, c'est deux ventilos plus un. Ok. Il faut. Ok, ouais. Sinon, il utilise un clou. Ok, c'est deux ventilos plus un guidon. Ces derniers temps, Dame Zelda rend souvent visite à Dame Mineru, la sœur aînée du roi. En tant que suivante, j'accompagne toujours. Aujourd'hui, Dame Mineru est présentée à la Dame Zelda, un immense golem. Il y aura un pouvoir, un mécanisme permettant à cette personne de monter dessus. Ah, mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire le truc de la... de jeter les yeux dans le vide, dans les gouffres. Ok. Sans rubis. Ouais, bah on se refait des sous. Ouais, 3, ok, montre-moi ça. C'est la troisième. Il m'en restera 2. Il m'en restera 2 à trouver. Non, je sais que c'est pas la même quête, mais ça me fait penser. Alors, tailleur fasciné, ok, je voulais ces vêtements, moi aussi, malheureusement, on n'a pas réussi à m'en procurer, hein, je vois. La mode, ok, on s'en fout. Encore 300 rubis. Et on a grandi le laboratoire. Il me reste 2. Je vais bien n'importe comment. Alors, il me reste 2. Où elles sont les deux restantes? Il y en a une. Ah, mais elle a pas compté, elle?
Y en a une qui est toujours dans le ciel, ça voudrait dire? Attends, on va se téléporter là, parce que si je dis pas d'utilité, c'est là. Hein. C'est vrai qu'il faut que je... Il faudrait que je la prenne en photo et je l'ai pas prise. On va tester. Ou alors il y en a une autre dans le ciel. Non, elle s'est écroulée normalement. Ah, et les auras qui viennent s'entraîner avec les humains. Ah non, tu vois, ça marche pas. Il me dit que là. À moins qu'il y en a une autre dans le ciel. On va prendre la tour, on va s'envoyer en l'air. Tu vois quelque chose toi? C'est pas là-haut? Ok. Je comprends pas. Je comprends pas où elle est celle-là de... On va essayer d'en trouver une autre. Celle-là c'est fait, celle-là c'est fait. Bah il y en a une qui est là. C'était porté là. Et on va faire l'overboard. Ça, je sais pas comment la trouver. On va aller là. On va faire comme tu m'as dit. Enfin, comme m'a dit la vidéo. Alors, il me faut. C'est pas ça. Il me faut deux turbines. Et un guidon. Alors attends, comment il montre, dans quel sens il les incline, non, c'est comme ça. Hein. Ouais. Non.
Alors. Ah. Ah si c'est comme ça. C'est de l'autre sens, ok. Je suis de l'autre côté, donc c'est de cette direction-là. Ok. Ah si, j'ai regardé le truc, c'est comme ça, hein. C'est incliné en avant. C'est un peu plus bas sur le truc. Si. Ça marche plutôt pas mal. Hein. C'est pas ça que je voulais faire. Pas ça que je voulais faire. J'en ai plus des... C'est pas grave. Ah, il tourne. J'y suis déjà allé, hein? Je suis pas encore allé. Ah, si j'arrive à aller jusque là-bas. On va pas tarder à s'arrêter. Faut apprendre de ses erreurs. Salut! Merci pour le raid, coucou! On va se poser sur ce petit bout de caillou.
juste là. Salut, oui, salut, comment ça va Benji? Est-ce que si je m'infiltre par là, j'ai rien? Ok. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Alors. Est-ce que je saurais me téléporter ou m'envoyer un peu plus en l'air? On va refaire le coup du... Ok. Ok. Alors. En effet, je fais du piccata. Tu as raison. Ah! Tiens, regarde pas toi. Voilà. Merci, j'y ai pas pensé. Je m'y suis pas pris comme il fallait. Mais je devrais y arriver. Ouais, ça va le faire. Avec la pesanteur. Ouais. C'est bon, réussi. C'est pas ce que je voulais faire du tout, je voulais examiner. Bon, comment ça va Benji, à quoi tu jouais? Et salut les raideurs de Benji, comment ça va? J'ai froid, je crois que Link a froid. Se faire ce petit sanctuaire et après on va essayer d'aller faire la petite île en fleurs là qui est cachée derrière la caméra. Ah bah en plus une bénédiction, ça va vite. Et prends. Attends, on va s'habiller un peu plus chaudement. C'est pas ça que je voulais prendre. Ouais, ça devrait le faire. Bon, on va remplacer celui-là avec qui est quasiment foutu celui-là. Oh. The fuck? Ouais, j'ai rallumé ça. Attends. Ok.
Ok. Et c'était surprenant. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour la surprise, je pense. C'est assez, assez rigolo. C'est pour les cœurs. On va prendre de l'élan, on va grimper en haut du labyrinthe. On va grimper en haut du labyrinthe. Prends ton temps. Allez, on grimpe. Allez, petit Link. Peu d'entage, c'est quand même cool. Hein. Ça, c'est petit avantage. Et presque en haut. On avait toutes les chances de notre côté pour arriver sur cette île. Par contre, je comprends pas la dernière là. Ok. Donc, nous sommes sur le toit du labyrinthe. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Qu'est-ce que donc que cela? On va aller regarder hein. Ah, c'est un coffre. Et merci pour le follow. Comment ça va? Salut Francis. Une batterie. C'est bon pardon. Ok, ça sera pour le labyrinthe, j'imagine. Bon, maintenant qu'on a le sanctuaire à l'avant, on pourra le faire plus tard. Et la petite île en fleurs est là-bas. On va y arriver là. On n'est pas si loin. On se rapproche des petits des mille follow. Hein. Gentiment comme ça. Gentiment pas vite comme on dit ici. Qu'est-ce que c'est ce truc là qui brille? C'est une lumière. Ok. Il y a un sanctuaire en dessous, je sais pas si je l'ai fait celui-là là-haut, en dessous. Chose après l'autre. On va s'occuper de ça d'abord. Ok. Ah. Oui, ok, il y a un sanctuaire. Si vous l'aviez pas vu, il y a un sanctuaire et un Korou. Bon, on va faire les deux. Hein.
Petit Korogu. Viens me voir. Voilà. Yahaha. Yahi. Steak. Melon glagla. Pas dommage de passer à côté de ce joli sanctuaire qui est juste là. C'est une région qu'on n'a encore quasiment pas explorée, celle des Gerudo. Qu'est-ce que vous me conseillez, faire d'abord les Gerudo ou faire d'abord les Gorons? Au nord, ce sont les Gorons. Comme le dirait Michel Sardou, les trois sphères, les trois coquillages. Bon. D'abord les Gerudo, ok. Ok. Ça voulait faire. Eh merde, saute. Ah attends, j'ai une petite idée. Si je fais ça... Pareil là, c'est pas un coffre là. Il y a pas de coffre. Ça là comme ça.
Je suis pas sûr que c'est ça qu'il fallait faire, mais moi ça a fonctionné. Marche, hein. Alors. Ok. On n'est pas trop mal. 82 sanctuaires. Alors c'est pas mal, non? Alors par contre, je ne sais pas comment récupérer la dernière. Île là. Là, je veux bien un petit conseil. Parce que celle-là, je sais pas comment la récupérer. Moi, je vais me téléporter là. Je pêche un peu. Il lui prélude des véhicules volants avec beaucoup de batterie. Ok. Bon, écoute, j'avais déjà le premier. Je suis sur le lui prélude. Et pas un foutre du temple du temps. Ah, ça va peut-être un peu le plein d'orbes. Ouais, faudrait que je rajoute. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour rajouter de la batterie par là? Normalement, il y en a un. Hein. Il y a un golem là-bas. Ce qui me fait défaut quand même, c'est la batterie. Non mais souffle pas sur mes orbes. On fout le bâton. Il y aura un truc pour faire augmenter sa batterie par là, non? Allez, on grimpe. Allez.
prendre à la hauteur. Ah! Putain, quel con. Ok. Qu'est-ce que tu fais là toi? Un truc à me dire? Je t'attendais, ok. Ok. Bon, je vais tester. Ouais, je veux savoir. C'est simple. Oh non, merde. 12 heures. Non, pas maintenant. Ok. Essayer de se faire. On va essayer de se faire. Bah, faut utiliser du Picata. Non, non. Voilà, reste avec moi. Et on va lui venir lui coller. Salut papy! Comment tu vas? Allez, tiens droit. Voilà. Ah! Non! Reviens par là toi. Reste avec moi. On va se mettre en endroit un peu plus stable. Voilà. On me dit. Allez, allez, non, non, non. Alors. Mais pourquoi tu veux pas? Ce que je voulais faire, c'est pas grave. Une turbine.
peut-être un peu moins, mais mieux là-dessus. Ah putain, je l'ai mis à l'envers. Ah, quel con. Ah, si je me lance bien, c'est pas grave, hein, mais que je vole, quoi. Et là, c'est mal barré. Allez, grimpe. Allez, grimpe. Allez, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. C'est bien. Allez. Sérieusement ? Non mais t'es sérieux là ? Ouh, je veux pas me gonfler longtemps toi. Je l'ai trop mal fait. Pas critiquer l'esthétique, hein. Il est bien dans son genre. On va essayer là. C'est pas grave, allez. Ok. Celui-là est pas trop mal. On prend une grosse réserve. Grosse batterie. Là-dessus et on va essayer d'incliner un peu plus celui de l'arrière. Pas trop mal là. Je suis un peu de biais mais... Et alors... Va être vert là. Si je dis pas de bêtises. Ok. Eh putain. Allez, où c'est-il?
trop tard. Trop tard. On a bouffé, on a bouffé plein. Ouah. Ok, je suis dans la bonne direction. Attends, il faut que je vise le château. Je suis à mi-chemin. Elle est où cette satanée île? Je devrais la voir là. Au-dessus, là, je devrais l'avoir. Il y a rien en haut. Je comprends pas. Pas en dessus, pas en dessous. Je l'ai passé. Je suis censé l'avoir passé. Je comprends pas. Attends. Ouais, il est tombé le truc en bas, mais... Là, je suis... Là où je devrais être, où devrait être l'île. Ou alors c'est pas celui-là qui manque parce que celui-là il... Tu vois celui-là il me dit rien quand C'est bizarre. À moins que... Attends. On va essayer de se les téléporter directement à Cocorico.
Domaine Zora, Cocorico. Ou alors c'est un... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ou alors c'est un autre qui me manque. Bon, dans tous les cas, on va s'arrêter là. On va essayer d'aller filer trois cartes au gars et puis... Il pleut, pour changer. Ah. Ouais, on va faire un raid. Ah. Ouais. Incroyable, fantastique. Ok, ma récompense. Nous avons tout. Il en reste une. Pas atteint, c'est laquelle? Il faudra que je cherche au plus tard. C'est du four de gueule qu'on ne passe, c'est bizarre. Sauvegarder. Ok. Allez. Voyons voir chez qui on va arriver. T'as quelqu'un à me conseiller, Mati? Ou quelqu'un d'autre? Sinon, sinon, on peut aller chez Uberdi qui fait de la discussion ou chez Meru qui fait du power wash. Alors, si vous, est-ce que vous avez quelqu'un à me conseiller? La matraque. Allez, voilà, ça raid à partir dans une minute. C'est pas là, c'est là-dessus, les actions, hop. Voilà, se mettre là-dessus, savoir que ça fonctionne. Normalement ça fonctionne, hein. La dernière fois ça avait marché. Ah, ils sont 151 sur la matraque. Bon, écoute, on va voir. Bon, elle fait lancer le petit raid. Bon, écoutez. Oui, on lance. Donc par contre, ça se lance dans... une minute. En tout cas, merci pour votre présence. Je vous fais des bisous. Passez un bon dimanche. Et puis pour ceux qui sont en fin de journée, ouais. Merci, bonne soirée à toi aussi. Puis on se revoit dans la semaine. Nous, prochain live vendredi. Et puis on va rester sur des lives le vendredi et le dimanche. Je trouve qu'on a trouvé un bon rythme là, donc on va rester comme ça. J'ai d'ailleurs mis à jour le planning sur la chaîne, donc si vous voulez jeter un coup d'œil. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Donc voilà, on est... Bon, 50 secondes, on va lancer le petit raid. Faites un bisou à la matraque et puis dites-lui de passer à la maison au besoin. Allez, bisous bien. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette. Ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais?